Salut, salut, donc comme vous l'avez vu, j'ai changé un petit peu le planning pour vous placer mon hall action. Donc comme d'hab, je prends comme ça vient et je vous affiche les prix. Et voilà, c'est pas bien compliqué. J'ai un début de torticolis, vous vous en foutez, hein, mais... Donc ce make-up, c'est un réel que vous aurez, je sais pas quand. Alors, on va commencer par mon cadre. J'ai acheté un sous-verre comme ça classique. Hein, voilà, j'achète toujours ça quand j'ai pas de collab avec des igneaux. C'est un 30 x 40 cm, c'est ce qu'il me fallait. Et à l'intérieur, vous avez des posters différents. Vous avez. Ah, ici, il n'y en a que deux. Non, non, trois. Vous avez les paysages. Et ici une écriture, et j'en ai pris un autre avec à l'intérieur, c'est des fleurs. Bon, on n'a pas regardé en fait à la base, j'avais pas vu, hein, j'ai vu que ça qu'en rentrant. Il y a le chien en face qui arrête pas de gueuler. J'ai vu ça qu'en rentrant, donc voilà. Mais je trouve ça très joli. Voilà, et ils étaient vraiment pas bien chers. Alors, Amy, ferme tes yeux pendant 2 minutes, là, j'ai trouvé un sac cadeau pour le cadeau d'Amy. Il va être énormément trop grand, hein, mais voilà, j'étais obligée de le prendre quand je l'ai vu. Voilà, c'est un mignon, parce qu'elle m'aime plus qu'un mignon aime sa banana, et moi aussi. Donc j'ai pris un sac cadeau mignon, pour lui mettre 3 pops à l'intérieur. Hein. Donc voilà, il va être un peu grand, mais j'ai craqué dessus. D'ailleurs, j'en ai trouvé un autre. Attendez, attendez. Émilie, garde les yeux fermés. Non, pas tout de suite, parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Où je l'ai mis. Alors, j'ai repris un bain de bouche le moins cher, le plus classique, parce que celui-là, c'est pour Georges. Moi, je ne supporte pas beaucoup de bains de bouche, avec mes gencives défoncées, ça me brûle. Alors surtout ceux à la menthe, voilà. Donc en principe, je prends le Listerine qui est violet comme ça. C'est Complete et il a un goût moins fort. Donc il me fait moins mal, mais je le trouve pas tout le temps. Donc voilà. Donc j'ai pris un petit bain de bouche. On a repris des rouleaux de scotch pour mes ventes Vinted parce que j'étais en train de tomber à court. Il y en a trois, hein, mais je vous en montre deux. C'est pas passionnant en même temps. Je ferai quand même ce qui est beauté à la fin. J'ai repris une boîte de lingettes pour mes carreaux parce que j'ai tout le temps les carreaux dégueulasses. Vous commencez à le savoir. Donc voilà, il y a 50 pièces à l'intérieur et elles sont très bien. J'ai repris une boîte de popcorn suite. C'est les seuls qu'on aime bien. Enfin, c'est vraiment ceux qu'on préfère. Et il y a 3 sachets de 100 grammes à l'intérieur. Voilà. Tout simplement. C'est pas bien compliqué. Chéri a fait une razzia de gâteaux. Alors, il a pris les duotés. Je les adore aussi, ceux-là. Voilà, c'est des marbrés. Des espèces de muffins marbrés. Il a pris les gâteaux fourrés aux pommes. Les gâteaux fourrés goût amande. Oh, ceux-là, je les adore aussi. Eh ben, il en a pris beaucoup, beaucoup. Allez, il a pris 2 fois les mêmes. C'est les gâteaux noix de coco. Parce que ça, il sait que je les aime bien aussi. Donc, voilà. Je crois que c'est tout. Alors, on va rester dans la bouffe de Chéri. Il s'est repris des graines de tournesol. C'est des natures, me semble-t-il, hein. C'est des décortiqués et ils partagent avec les chichous. Voilà. Il a pris des chips de banane, à peu près pour le même effet, mais je lui ai dit, tu peux pas leur en donner, c'est des sucrés. Je crois que c'est pas marqué. Faut que je lise. Faut que je lise, voir si elles sont sucrées, parce que si elles sont sucrées, il peut pas leur en donner. J'ai pris pour goûter, c'est nouveau, c'est les Bifi Roll, hein, avec du pain italien aux herbes. Oh, je vais goûter ça juste après.
J'ai repris ma grande plaquette de légendaires sneakers. Et j'ai pris ceux-là parce qu'ils y étaient enfin. Amy en parle souvent. C'est les crisps. Voilà, donc j'ai enfin pouvoir les goûter. Il faut juste que je me les planque parce que une fois que les gosses mettent le nez dedans, moi après, j'ai plus de friandises. Et on en a fini avec la bouffe. Le deuxième cadeau, paquet cadeau que j'ai trouvé pour Amy. Avec ses avocats. Il est trop chaud, regardez. Voilà, donc je sais que quand elle va voir le haul, elle va dire oh, il ira dans ma déco. Vous l'entendez ici? Moi, j'entends. Dans les trucs pas passionnants, j'ai repris des piles comme ça pour pouvoir remettre dans ma licorne. J'espère qu'elles seront bonnes. Normalement, oui, c'est bien les bonnes. Et j'espère qu'elles tiendront un peu plus longtemps que celles qu'il y avait de base dedans. Chéri a repris pour lui et les garçons de gel douche Axe. Bon, c'est des 3 en 1 body air face. Il s'en sert que pour le corps. Donc, il y a celui à l'orange et celui marine. Marine, j'aime pas, ça sent les chiots, moi, je trouve. Voilà, voilà. Je range mon petit bordel et on peut passer à la beauté. Alors, je me suis repris le masque à la banane. Il n'y avait plus que le masque, il n'y avait ni le shampoing, ni le gel douche. Je voulais faire une razzia du gel douche parce qu'on l'adore tous ici. Mais il n'y était plus. Donc j'ai juste repris le masque. Voilà, de toute façon c'est tout ce qu'il y avait. Et en plus il ne restait plus qu'un. J'ai fait une razzia dans les masques, dans les petites masques, parce que ben, il m'en fallait tout simplement. J'étais en train de tomber à court. Mais je suis tombée sur ceux-là aussi. Les patchs pour les yeux, des nouveaux. Donc j'ai pris 2 de chaque. En noir et en doré. Donc, ils font tout le tour de l'œil. Et moi, ça m'arrive de le faire de temps en temps quand je mets des patchs en pot. Pas quand c'est des individuels, mais quand c'est en pot. J'en remets un par-dessus pour bien hydrater mon arcade sourcilière, mes sourcils, ma paupière. Puisque le contour des yeux, c'est tout l'œil. Hein. Et voilà. Ça hydrate et ça lisse apparemment le contour des yeux. C'est vegan, il y a une paire à l'intérieur et j'aime beaucoup ceux de chez Action. Moi j'aime bien ceux avec la dentelle mais on les trouve absolument plus. Donc voilà. J'ai pris un masque gold et un masque argenté comme ça. Voilà, je les aime bien l'argenté, j'en ai encore un. Le gold j'avais pas pris la dernière fois donc je l'ai pris cette fois-ci. J'ai pris dans cette collection-là un à l'avocat et un à la grenade. Il y avait un à la lavande et un... C'était 2 odeurs que je n'aimais pas. Lavande et... Je ne sais plus. Il me semble qu'il y avait 4 sortes. 3 ou 4 sortes. Moi, j'ai pris les 2 là parce que c'est les seuls qui m'intéressent. Voilà. Et j'ai pris ceci. J'ai craqué dessus. Cookie et... cupcake. Voilà. J'ai trouvé ça marrant. Chocolate chips cookie. Avec de la vanille à l'intérieur et la fraise. J'ai pris pour tester celui qu'Emmy adore, le gold mask. Voilà, elle le prend à chaque fois qu'elle y va. Il est en 2 parties comme les W7 que vous verrez dans mes produits terminés. Je ne sais pas quand. Donc je me suis dit je vais le tester. Voilà. C'est un hydrogel, donc c'est un. En hydrogel, quoi, comme les patchs pour les yeux en fait. Donc on verra bien. Il calme, il adoucit et il aide à restaurer les peaux sèches et tout ça, tout ça. Donc j'ai hâte de tester. Ensuite j'ai fait une petite razzia. Il y avait des nouveaux strass et je viens de voir que j'en ai pris un en double. Un exemplaire. Bah, j'ai pris 2 fois les mêmes en fait. Non, là il n'y a pas de gros. Enfin bref. Donc là, j'ai pris du coup 2 sachets. Il y a 60 grammes à l'intérieur, mais il y a plein de strass et ben, il y a des crocs dedans. Un peu style... Oh, je sais pas comment expliquer, mais ils sont vraiment beaux. Bon, il y a des flocons de neige, on s'en fout un peu. Mais il y a toutes les formes, il y a toutes les tailles. J'aime beaucoup acheter ce genre de strass pour les make-up artistiques ou d'inspiration et tout ça chez eux. Regardez ici, par exemple, il y a un crocon. Voilà, donc c'est très gros, mais par exemple pour mettre au centre du front ou en bijou collé, ça peut être sympa.
Et j'ai pris celui-ci, je ne sais pas si c'est les mêmes ou pas, en vert, mais il y a des trucs différents à l'intérieur, donc écoutez, on verra bien. Voilà. Mais pareil, ici, il y a un gros... vraiment, bijoux, quoi. C'est des bijoux, là, il y a des fleurs, il y a des cœurs. Donc ça, je vais m'amuser à trier tout ça après dans mes boîtes de strass. Et toujours pour la même chose, j'ai pris ceci. Voilà. C'est une plaquette comme ça. Vous avez ici des feuilles et des papillons, des petites fleurs aussi. Il y a des nœuds en tissu, des fleurs, des cordelettes. Bon, ça, on s'en fout. Des pompons, des grosses fleurs, des petites pinces à linge, des petits boutons. Donc, ça peut être sympa pour certains make-up. Et voilà ce qui conclut mon haul. Ça va? Finalement, il n'y a pas tant que ça. Il n'y a pas trop de choses inutiles. À part les strass, vu la chier que j'ai déjà. Mais voilà. Écoutez, ça m'a fait plaisir d'y aller. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été. Et je suis bien contente d'être tombée sur tous ces petits trucs. Je vais pouvoir remettre des piles dans ma petite licorne pour la prochaine vidéo. Ça, c'est cool. Ce que je vais faire juste après. Et voilà. Donc, j'espère que ce petit haul bonus vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous aimez, que vous avez déjà trouvées. Parce que moi, les nouveautés, elles arrivent toujours 6 ans après tout le monde. À me dire s'il y a des choses qui vous intéressent, du coup. Et voilà. Donc, on se retrouve demain en live. Demain en live à 20h30. Enfin, 20h, 20h30 suivant ma motivation. Donc, on se retrouve demain en live pour ceux qui ne le savaient pas encore, qui ne me suivent pas sur Insta. Et en attendant donc demain, moi je vous dis bisous bisous.